Bonjour Patafouin, c'est réception du jour. Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. Quoi? Je sors. Allez, plus sérieusement, salut à tous et à toutes, c'est réception du jour. Pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous l'ai annoncé sur mon groupe. Donc j'ai fait une nouvelle commande pour vous, alors que c'était assez difficile pour moi, on va dire, avec l'argent, de gérer ça parce que j'avais d'autres trucs à faire avec l'argent. Donc c'était un peu dur de gérer ça. Avant de vous parler du colis lui-même, ça va pas durer longtemps de toute façon. Je vais vous parler de la montre. Alors, je suis vraiment désolé à les personnes à qui j'ai contredit que ma montre Casio en ne pouvait pas se régler. Alors, c'est pas vrai du tout. Hier, je me suis démené à chercher comment on pouvait l'ajuster. D'ailleurs, je me suis ouvert le doigt. Ah, je ne fais pas un doigt d'honneur, c'est parce que je me suis coupé ce doigt-là. Donc, en fait, on peut l'ajuster. Donc c'est ici, il faut en gros lever ça ici et l'amener à la taille que vous voulez. Donc là c'est impeccable, ça va directement sur mon poignet comme il faut. Donc c'est impeccable. Donc je remercie quand même à tous ceux qui m'ont poussé un petit peu à vérifier sur internet. Parce que c'est vrai que moi j'ai pas une notice, hein. On me dit de regarder sur la notice, mais il n'y a pas une notice pour ça, quoi. Donc bah voilà. Une deuxième petite chose, j'ai trouvé une veste par terre. Donc, enfin, ma mère a trouvé une veste par terre en allant chercher ma soeur à l'école, au collège. Et en fait, c'est du 14 ans. J'ai dit à ma mère, vas-y, lave-la, fais tout ce qu'il y a à faire. Et je vais l'essayer pour voir. Et vous allez voir qu'en fait, bah, pour du 14 ans, elle va plutôt bien. Donc, je vais tester ça devant vous. Déjà. Donc, la petite casquette qui va avec. Donc, attendez, je vais faire ça comme ça. Yep. Vous voyez, moi je trouve que pour du 14 ans, elle me va plutôt bien. Hop, avec la casquette de la même couleur et tout. Posey, comme Swagman. Non, je rigole. Bah voilà, moi je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Alors la marque, je sais plus c'est quoi la marque. C'est Red Corner, un truc comme ça. Donc je sais pas si ça doit être une sous-marque de veste américaine. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup le style. Surtout les petits boutons blancs comme ça. C'est vraiment style écolier américain. Donc les deux couleurs, les manches différentes, le bas et tout. Enfin bon, bref, voilà. Donc on va repartir sur la vraie commande. C'est un Sarwell. Et ça, je l'avais annoncé. Donc je retire la casquette vite fait. Je l'avais annoncé, c'est un Sarwell noir en cuir. Alors par contre, je sais pas du tout s'il va m'aller parce que j'ai pris une taille en dessous. Parce que j'ai vu qu'il se portait. Enfin, les gens qui le portaient sur le site Six June, parce que je l'ai commandé là-bas. Là, je remercie le directeur de s'être occupé de ma commande lui-même. Donc oui, je me la pète un petit peu. Non, je rigole. Oui, j'ai commandé là-bas. Ça m'a coûté 63 euros avec les frais de port Colissimo pour qu'il arrive directement chez moi par la poste. Ouais, alors quand on voyait les mannequins qui portaient ce sarouel-là, ça le faisait pas, quoi. Je veux dire, c'était carrément moche, ça faisait. Comme les parents le disent souvent, il s'est fait caca dans un pantalon. Enfin, tu vois, c'était vraiment horrible comment ils portaient ça, les gens. Et moi, je me suis dit, bah, si pour la taille juste pour la personne, ça fait cet effet-là de bonhomme Michelin au niveau des jambes. Je me suis dit, je vais prendre une taille plus petite. Donc moi, je rappelle, à la base, je mets du S. Je rappelle. Mais j'ai pris du XS. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc je le découpe bien pour si j'ai envie de le renvoyer. Hein, parce qu'il faut pas déconner non plus. S'il me va pas, je vais pas le garder. Je vais renvoyer ça à Six June. Alors je prends des précautions quand même.
Parce qu'apparemment, ils ont mis le colis vachement près. Regardez. En fait, le sarouel est vachement près du truc. Du coup, j'ai coupé aussi. J'ai failli couper le sarouel avec. Vous avez vu ma tronche en vidéo. Enfin, vous m'avez compris. Donc alors, c'est. Donc un message réception, ok. Jogging Sarwell Noir Snake Patch. Si vous voulez les références, c'est 1404 du 6 186 CD du 6 NR slash SNA. Donc voilà. Donc il vaut 60 euros. Donc là, ça m'a l'air vachement gros encore pour du XS. Ça me fait peur. Donc, mais il est beau. Il est beau le lavabo. Donc voilà. Donc il se présente comme ça. Oh, je pense qu'il va m'aller vraiment tout juste. Donc il se présente comme ceci. Donc moi, j'aime beaucoup. Donc en gros, il est vraiment noir cuir, enfin simulé cuir, avec des patchs comme ça, comme ceci, qui fait des petits rebonds sur les genoux. Des poches sur le côté, façon Sarwell basique. Donc avec les petits trucs comme ça, hop. Sur les poches, quelques petits défauts de couture. Là, il y a des petits fils, mais bon, ça a brûlé après. L'arrière ici, élastique, très élastique, donc ça c'est impeccable. Donc là, vous pouvez voir le prix 60 euros. Donc voilà. Donc, oh, ça pue le civil cuir. Donc vous pouvez voir Six Dune. Donc maintenant, je vais l'essayer devant vous et je vais vous dire avec quoi le mettre. Il n'y a aucun problème. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà. Avec quoi porter ceci? Donc je précise qu'il me va à ravir. Heureusement que j'ai pas pris du comment dire du S parce que fouah, ça m'aurait mais boudiné à mort, ça m'aurait pas serré déjà là. Le XS, il ne sert pas du tout. En fait, quand vous enfilez vos jambes, ça fait un effet de gonflage avec, je sais pas c'est quoi le processus, s'il y a un truc de mécanique dedans, mais ça fait un espèce de gonflage en fait. Ça fait une sorte de poche, une bulle, qui fait que ça grossit l'intérieur. Alors après, c'est pas lavé, donc c'est peut-être pour ça encore. Donc, bah, portez ça avec des Supra noirs ou rouges ou blanches. Si vous avez des vêtements au niveau du haut de la même couleur. Donc regardez, il est magnifique, je trouve. Donc là, je vais juste faire ça. Ne vous inquiétez pas, je ne porte pas que ça. Hein. Là, c'est parce que je travaille un peu mes bras en ce moment. Donc je retire pour le développé couché. Enfin bref. Donc voilà. Donc ça fait comme ça. Moi, je trouve qu'il est super classe. Donc après, petite poche comme ça, vous pouvez fermer. On peut rentrer la main dedans. Pas de souci. Très léger. Très 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 léger. Pareil de l'autre côté, franchement nickel, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas du tout la même matière que les autres sarouels que Donc l'arrière, ça va. Il est pas trop, comment dire, pas trop ample au niveau du bas pour un sarouel par comparé au blanc. Hop, l'autre côté. Donc regardez un petit peu la particularité de ce sarouel, ce sont les genoux. Donc en fait, ça fait une sorte de protection comme ceux qui sont comment dire, qui ont des motos, hein, ça fait à peu près les genouillères. Donc c'est plutôt pas mal, ça donne un bon style, bien 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 méchant. C'est moi je trouve qu'il est terrible. Je dis pas ça parce que je l'ai acheté. Hein. On peut être déçu de nos achats. Moi j'ai déjà été déçu de mes achats, vous le savez très bien. Donc voilà. Donc pour le haut. Je vais revenir tout de suite, je vais couper parce que sinon ça va faire un bruit d'enfer. Alors je vais couper et je vais vous montrer ce que vous pouvez porter avec ça au niveau du haut. Donc nous revoici pour dire avec quoi on peut porter ça. Donc tout simplement, la veste que j'ai trouvée. Le bleu se marie superbement bien avec le simili cuir. Un petit débardeur normal, basique, noir. Avec une petite chaîne en or, une montre en or avec un bracelet qui peut suivre, vraiment discrète, faut pas un gros truc de ouf. Une boucle d'oreille en or, une casquette si vous voulez, y a pas de souci. Des bonnes chaussures. Moi je trouve que ce style-là, il est quand même pas mal.
Il a quand même de la gueule. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'un jour, Six June, parce que comme vous le savez, je suis fan de Justin Bieber. J'ai pas de honte à le dire, hein. Je pense que tout le monde a vu, pratiquement tout le monde a le même style que lui maintenant. C'est lui qui a à peu près vraiment fait porter les Sarouels, qui a fait imaginer le style un peu. Donc voilà. Donc c'est pas forcément lui qui a mis le style en avant, mais il a poussé un petit peu quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors moi j'aimerais bien, c'est qu'un joueur, alors je l'ai remonté vachement haut parce qu'en fait il fait vraiment boudiner, il est encore trop grand. Donc franchement, si vous faites ma taille, si vous faites ma corpulence, achetez pas du S. Parce que franchement, sa taille est vraiment trop grand. Je sais pas ce qu'ils font, c'est que ce dune même. En ce moment avec les tailles, il taille beaucoup trop grand. Ouais, en tout cas au niveau des sarouels, parce que les hauts ici, ils taillent trop petits des fois. C'est qu'ils mettent en fait des ceintures. Parce que Justin, je fais référence à lui parce que il a un sarouel à peu près pareil. C'est même, je pense, le même. Bon, c'est pas de la même qualité, hein. Et en fait, il a une ceinture incorporée dedans noire avec un petit truc en acier. Un acier un peu marbré, un peu foncé aussi pour pas que ça fasse trop éclatant par rapport au sarouel. Donc, il donne plutôt pas mal. Ça donne un autre style aussi cool. Donc je vais vous montrer avec quoi d'autre on peut le porter. Je pense que j'ai une petite idée. Je me suis dit ça hier soir avant d'aller dormir. J'ai une petite idée avec quoi on pourrait porter aussi ce sarouel-là. Donc je reviens tout de suite. Et voilà, de retour. Et oui, j'ai osé. J'ai osé mettre le t-shirt Uniplay avec une coupe assez grande, assez bizarre, assez stylée, assez classe pour mettre ça avec un sarouel noir. Et je trouve que ça a de la gueule. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça a de la gueule, franchement. Regardez bien. Comme le sarouel est assez ample, est assez, je sais pas si c'est à dire boudinant, on va dire, qui boudine assez les jambes. Quelque chose qui enveloppe bien le tout et qui fait un effet de rétrécissement et d'affinement. Bah moi je trouve que ça, c'est vachement classe. Ça va superbement bien avec le sarouel. Je reviens tout de suite pour faire un autre plan. Donc voilà un autre plan. Donc moi je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Hop, regardez comment ça fait. Hop. Ça s'arrête au niveau des fermetures là de ce côté. Là, ça fait un bon effet qui suit le sarouel, qui va pas plus bas que lui, qui suit le sarouel, qui va sur l'autre jambe. Ici aussi pareil, une remontée pour voir encore les fermetures du sarouel. Et le derrière, c'est pareil que le devant. Donc voilà. Donc, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que ce sarouel, il est vraiment bien. Il est classe. Il est efficace. Mais attention à la taille, parce que Six June a un sérieux problème avec les tailles en ce moment. Alors, j'essaierai d'en parler au directeur. Je peux rien faire, hein. Je peux rien faire d'officiel. Juste, histoire d'en parler, parce que la dernière fois, je suis tombé dessus par hasard pour ma commande. Et oui, je suis sûr que c'était lui, hein. Il s'est présenté à moi, son client, comme plein d'autres clients à qui il pourrait se présenter. J'ai eu sûrement de la chance, mais c'est lui, c'est bien lui qui s'est occupé de cette commande-là. Enfin bref, donc faites attention quand même à la taille. Si vous faites ma corpulence, si comment dire. Si vous faites mon poids, etc., etc., demandez-moi. Franchement, demandez-moi. Je vous aiderai à choisir la taille du sarouel, parce que franchement, ça va pas être facile. Donc moi, j'aime beaucoup cette petite particularité de genouillère, qui est plutôt classe. Ce qui est bête, par contre, c'est cet effet de boudinage. Ça, j'aime vraiment pas. Quand on le met, en fait, il y a une bulle d'air qui se forme dans le sarouel et qui vient s'incruster dans les jambes. Donc après, peut-être qu'au lavage ça va changer quelque chose, mais j'ai pas l'impression. Donc voilà. Donc sur la vidéo, je vais certainement vous donner le lien de mon Facebook, le lien de mon Instagram, le lien du groupe. Venez nombreux sur le groupe, ramenez des gens, etc., etc. Faut vraiment que le groupe soit vivant. Il y a tout le monde qui partage ses propres trucs. C'est vraiment pas que pour ma chaîne. C'est vraiment pour vous partager aussi votre style.
pas forcément le même style que moi j'ai. Vous pouvez partager votre propre style, il n'y a aucun souci. Le groupe est vraiment libre. Donc il n'y a pas de problème. Oui, je suis en position caca là depuis tout à l'heure. Je vais bien me mettre. Donc voilà. Donc venez nombreux, j'essaierai de vous mettre les liens. Et j'espère qu'en tout cas les petites vidéos sur FIFA 15 vous aura plu pour attendre cette vidéo, parce que là j'aurai pas mal de montage à faire parce qu'il y a eu pas mal de coupures, hein, j'ai pas voulu bâcler le travail comme je faisais un petit peu en ce moment, c'était un peu bête. Donc bah voilà, en tout cas je vous remercie encore parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Je commence à vraiment. Là je vais bientôt être à 3 euros aujourd'hui, je suis sûr que je vais être à 3 euros, c'est obligé. Hier j'ai eu deux changements d'argent déjà, donc ça me fait vraiment énormément plaisir et je vous remercie encore vraiment tous. Merci à tous les gars, continuez comme ça à être actifs sur le groupe encore vraiment. Je me répète mais vraiment merci à tous. Je vais refaire un petit tour pour le Serwell. Donc voilà, 60 euros CX June, vous pouvez l'avoir que là-bas. J'ai regardé sur les autres sites, on peut pas l'avoir, ou soit vous l'aurez plus cher et vous l'aurez en moins de temps, en plus de temps, pardon. Donc là, moi, je l'ai eu en 2 jours et demi chrono. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Pas de commande le mois prochain, je pense. Hein. Donc voilà. Je suis vraiment désolé, mais faut que je mette de l'argent de côté. Hein, la vie est dure. Donc voilà. Donc, je remercie encore vraiment à tous. Allez, ciao, bye bye.